sommes à la cité Frugès. Alors c'est une œuvre de Le Corbusier, voilà, qui date de 1924. Ça commence déjà par une rencontre, hein. Oui, une rencontre entre Henri Frugès, qui est un industriel sucrier bordelais, qui souhaite réaliser dans un premier temps un petit lotissement pour ses propres ouvriers, mais pas ici, à Lège, puisqu'il a une petite fabrique de caisses en bois aussi à Lège. Et leur rencontre fait que, une chose en amenant une autre, pour permettre à Le Corbusier de donner de l'ampleur à son projet, eh bien, il va lui proposer de construire aussi un lotissement beaucoup plus important, et c'est Pessac qui va être choisi. Un jour, un article me tombe sous les yeux, signé d'un nom tout à fait inconnu, Le Corbusier. Je suis frappé par le bon sens de cet auteur. C'était pourtant révolutionnaire. Il me disait, comment, pardon ? C'était pourtant révolutionnaire à l'époque. C'était très révolutionnaire, mais les idées étaient pleines de bon sens. Et Pessac a été en somme la répétition générale pour Le Corbusier. À l'origine, alors 127 logements étaient prévus. Alors aujourd'hui, il y en a 51 qui ont été faits. Alors, il a un souhait quand même, c'est faire des logements confort, puisqu'il faut rappeler, on est en 1924 et c'est les premières habitations. Mais il va y avoir le chauffage central, un garage pour les voitures. C'est un endroit qui est plutôt plaisant à vivre et qui est ouvert au monde ouvrier. Et c'est surtout des maisons qui coûtent pas très cher, hein. Ici, en fait, Le Corbusier réalise une sorte d'utopie urbaine. Henri Frugès l'invite à passer de la théorie à la pratique. Et ici, Le Corbusier va aller jusqu'au bout de sa réflexion sur ce qu'est l'habitat idéal. Et c'est comme ça qu'on va avoir cet habitat et confortable et avec un nouveau langage architectural esthétique et aussi un confort d'un point de vue sanitaire, hein, qui est complètement inédit pour l'époque. Les piétons ont des chemins rapides qui passent à travers au-dessous des maisons, puis des parcs plantés autour des chemins, autour des stades, autour des terrains de tennis et de football. Donc là, on va aller voir une de ces maisons, là. Oui, une maison de type jumelle, puisqu'il y a six typologies, il y en avait sept. Lors de la construction de la cité. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc on va retrouver Vincent qui a accepté un peu de nous parler du bien vivre en fait dans une maison comme celle-là. Hein. Alors on remarque ici que beaucoup de maisons sont entourées de petits jardins. Il y avait vraiment une volonté de privilégier aussi le confort et le plaisir. Oui, alors confort, plaisir, en fait plutôt des jardins vivriers, puisqu'on est dans une cité ouvrière jardin et qu'initialement les jardins sont des jardins potagers. C'est pour ça qu'il y a des jardins aussi importants. Il fallait nourrir la famille qui était à l'intérieur, qui vivait dans la maison. Mais le jardin ornemental, on va dire, c'est celui qu'on va trouver généralement sur les terrasses des maisons, puisqu'on a des maisons à toit plat, des toits terrasses et jardins suspendus. Par exemple, cet arrondi-là, est-ce qu'il a une utilité ? Est-ce que Le Corbusier a pensé une utilité en faisant cet arrondi ou c'est purement esthétique ? Alors, il n'y a jamais de choses qui sont purement ou seulement esthétiques. Chez Le Corbusier, tout doit être traité, tout élément architecturé doit être traité de façon esthétique, fonctionnelle et sanitaire si possible. Et donc là, en l'occurrence, on a exactement cet aspect-là, puisque c'est le mur de la salle de bain. De l'autre côté, on a donc une salle d'eau, ce qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel dans les années 20. Et donc on a cet arrondi qui permet justement d'avoir le dessin de la douche à l'intérieur, mais qui crée un volume particulier ici, dans cette pièce. Si on n'avait pas un arrondi mais un angle droit, on aurait finalement une espèce d'impression de couloir ou de L qu'on n'a pas quand on est dans cette pièce. C'est la lumière qui glisse dessus. Du coup, votre regard accroche peu l'élément et donc il disparaît de votre champ de vision. On a vu des jardins tout à l'heure quand on est arrivé. Là, il y a deux terrasses sur une maison. C'est un peu un luxe, on va dire. Hein. Alors, c'est grand luxe. C'est d'autant plus le luxe qu'effectivement, ces terrasses, ce sont d'abord des solariums. Donc, ça a vraiment une vertu sanitaire.
Le Corbusier pense ses maisons en intégrant toute la dimension sanitaire qui est nouvelle aussi à l'époque. On lutte contre la tuberculose à l'époque et donc Pessac est réputé pour son bon air, pour son ensoleillement. Donc on vient se soigner dans les nombreux sanatoriums de Pessac. Quand Fruges choisit Pessac pour construire les quartiers modernes, c'est aussi pour ça. Donc finalement, toutes ces maisons, alors il y a quelques petites variations, mais en gros, elles ont toutes le même format, le même schéma. Alors elles ont toutes des formes très similaires, puisqu'elles ce sont les formes primaires que Le Corbusier va affectionner particulièrement au début de sa carrière d'ailleurs, hein, et on est au début de sa carrière moderne. On est dans ce purisme. On a ces couleurs aussi, qui vont d'ailleurs donner de la variété. Mais pour ce qui est des formes des maisons, Le Corbusier va utiliser un module constructif qui va lui permettre d'avoir des maisons qui font toujours 5 mètres de large, qui est la largeur d'un module. Et puis ensuite, il va ajouter des modules et des demi-modules. Donc on va avoir des hauteurs et des largeurs qui sont une déclinaison de ces modules. Et ça, quelle est l'utilité? C'est justement préserver les espaces ou rendre des espaces un peu plus fonctionnels pour les habitants? Alors, l'idée, c'est surtout de pouvoir construire très vite, le moins cher possible, de manière tout à fait standardisée, hein, donc vraiment utiliser les mêmes éléments de construction pour toutes les maisons, et en même temps de créer de la diversité, puisqu'une fois qu'on a le squelette de la maison avec ses poteaux et ses voûtres, Le Corbusier il dessine ses maisons, les façades, mais aussi les cloisonnements, comme bon lui semble. Qu'est-ce qui est agréable dans ces maisons quand on y vit, justement? La lumière. Cette maison, elle est baignée de lumière. On peut aller dans n'importe quelle pièce, il y a de la lumière partout. Et ça, c'est vraiment très agréable. Les espaces sont quand même assez spacieux, en ce qui concerne la maison. Très des aspects très fonctionnels. Oui, tout à fait. Sommeil d'abord. Jamais d'appartements au nord, les appartements au sud, à l'est, à l'ouest, au sud, à l'est, à l'ouest, au sud, à l'est.